Eh bien, salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des quêtes de cette semaine 4, saison 6 les gars. Aujourd'hui, il va falloir infliger une onde de choc à la faune sauvage avec une grenade ou un arc à onde de choc. Alors les gars, pourquoi est-ce que je vous retrouve ici au niveau de cette petite compresserie là? Puisque les gars, ici, vous allez avoir un tas de trucs comme ceci, donc ce sont des tas de voitures que vous allez pouvoir casser comme ça d'un coup. Et obtenir plein de petites pièces mécaniques. Et ça, c'est très important, les gars, d'avoir ces pièces mécaniques, puisque regardez, vous allez trouver des arcs et vous allez pouvoir les améliorer en arc mécanique. Et suite à cela, lorsque vous allez trouver des grenades à onde de choc, vous allez pouvoir fabriquer un arc à onde de choc, à défaut d'utiliser juste des grenades à onde de choc, parce que ce qui vous est demandé dans ce défi, c'est de tirer soit avec des grenades, soit avec l'arc. Donc si vous préférez faire ça avec les grenades, c'est votre choix. Le truc, c'est que si vous créez un arc à onde de choc, vous allez avoir, comme regardez ce que j'ai là, 30 flèches et vous allez pouvoir essayer 30 fois. Donc les gars, une fois que vous avez votre arc ou vos grenades, alors moi je vous conseille quand même de faire l'arc, ce qui est plus logique parce que vous allez avoir des balles un peu infinies, que des grenades, vous allez en avoir que deux. D'accord? Vous allez devoir chercher des animaux, donc ce qu'ils appellent la faune sauvage. Et lorsque vous avez trouvé la faune sauvage, les gars, vous allez devoir faire ceci. Et du coup, c'est répulser les animaux. Donc moi là, je me suis répulsé, d'accord? Donc le but, c'est de faire exactement la même chose, mais sur les animaux. Donc je vais trouver des animaux et je vous retrouve lorsque c'est fait. Alors les gars, je sais pas si ça marche sur les crapauds ou sur les autres animaux, mais regardez, là il y a un crapaud ici là. Et du coup, vous allez devoir faire ça. Regardez, il s'est fait éjecter. Donc normalement et logiquement, vu que le crapaud c'est considéré comme un animal, ça fonctionne. Regardez, là il y a un autre crapaud. Voilà, ça le répulse. Donc ce qui se passe les gars, c'est que vous pouvez utiliser ça sur n'importe quel animal, logiquement, d'accord? Mais essayez sur les poules, les raptors, les sangliers et les loups. Ça fonctionnera sûrement mieux que peut-être les crapauds, puisque je suis pas sûr que les crapauds ça les valide. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver un autre animal et je vais vous montrer ce que je fais. C'est parti. Alors les gars, là, en arrivant ici au niveau de la carte, vers Craggy, vous allez toujours avoir des raptors et des poules et sangliers vers cette zone-là. Et là, qu'est-ce que j'ai trouvé? Des raptors, les gars. Donc vous allez devoir vous approcher discrètement, sauf si vous avez une cape de chasseur, d'accord? Une cape de chasseur, vous passerez un peu invisible à leurs yeux. Par contre, si vous avez comme moi aucune cape de chasseur, vous allez devoir vous approcher discrètement. Et là, les gars, regardez, vous allez devoir répu le raptor. Et regardez, il s'envole et ça vous valide votre défi tout simplement. Alors, il y a aussi des loups là. Je vois un loup qui est là-bas. Justement, et ils sont en train de se battre avec entre le raptor et le loup. Donc vous pouvez répulser tout le monde. Et comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Et vous validerez votre défi. Donc voilà, rien de compliqué les gars. J'espère que ça vous a aidé à comprendre. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre le code créateur Telmo-Lopez. Bien sûr les gars, le plus important, c'est de rester zen. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.